Je pense que c'est une rencontre du cervelas, mais aussi des pâtes cuites à haute température, et puis d'un amour aussi du terroir alsacien, qui peut paraître lourd à certains égards, mais qui en fait ne l'est pas, qui est aérien, comme une pâte soufflée. Ça me permet par exemple de faire ce mouvement, que très peu de gens peuvent faire, parce que je peux me déplacer de côté, et en même temps, j'ai les yeux quasi périphériques. Je crois que oui. Mais moi j'aime bien la cumbia parce que, je sais pas, ça fait un truc comme ça, puis voilà, j'aime bien ça, mais je ne suis pas trafiquant de drogue. Je sais même pas de quoi on parle, donc là je... J'ai fait du... Ben, j'ai attendu que ça se passe, j'ai attendu le deuxième jour, mais bon. Oh punaise, là vous avez mis le doigt sur un truc très très juste. Maturité oui, mais aussi un film qui traite aussi de l'enfance et de l'innocence. Là, en fait, j'ai plus une image qui est d'un coup arrivée, c'est-à-dire que je prenais la tournevis, je me cachais derrière une porte, j'attendais qu'il y ait un mec qui passait et je dois le planter dans la tente. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est marrant, parce que c'est pas du tout un acte de liberté, c'est l'acte de tuer quelqu'un. Donc, merde, pourquoi ça passe dans cet esprit, je ne sais pas. Faire du jet ski avec la gaffe, ça c'est la liberté. J'ai toujours l'impression d'être plus efficace dans les contre-champs quand le caméscope est dans mon dos et je me dis oh putain j'aurais dû faire ça quand la caméra était sur moi. Donc frustration, donc cancer, donc mort assez rapide. Fin d'histoire.